à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. C'est dans cette petite ambiance de pluie à l'extérieur, rien de mieux pour parler de Naruto, de Boruto et compagnie. On revient aujourd'hui sur cet épisode 204 de Boruto avec la confrontation de Sasuke, Naruto vs le chef Jigen. On avait Jiren dans Dragon Ball Super, on a Jigen dans Boruto. Comme je vous l'ai dit les amis, il y aura deux vidéos. Celle-ci qui est une review et il y aura une vidéo l'enfance de Kawaki. Un petit récapitulatif qu'il faut savoir, on a Naruto qui a décidé de s'occuper de Kawaki. Là où très peu de gens lui font confiance, à l'aide du conseil des Kage, ils ont décidé eux-mêmes de faire confiance à Naruto pour s'occuper de Kawaki, avoir un œil sur lui. Et en ayant Kawaki, forcément, tu possèdes quelqu'un qui est convoité par Kara et plus particulièrement par Jigen. Et on va le dire, Naruto s'est occupé de Kawaki comme son propre fils. Et là, il y a un million d'enseignements. Naruto voit chez Kawaki ce que lui, il a été dans son enfance. Naruto se reconnaît clairement en Kawaki, à travers le rejet, à travers les épreuves et son enfance. Et de l'autre côté, Kawaki voit chez Naruto le père qu'il n'a jamais réellement eu. Mais ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez bien le comprendre dans l'enfance de Kawaki. Surtout que, au-delà de voir en Naruto le père qu'il n'a jamais eu, Kawaki a aussi appris l'histoire de Naruto à travers Kyuubi. Quand Naruto dormait, celui-ci lui a raconté ses épreuves passées. Et c'est là que Kawaki a compris que Naruto pouvait le comprendre, réellement. Avec l'exemple du multiclonage, le Kagebuchin no Jutsu, quand Kawaki, c'était super triste, quand il l'a évoqué, c'est-à-dire qu'il aimerait apprendre cette technique-là pour pouvoir se frapper lui-même. Tellement, au fond de lui, il n'arrive pas à retrouver de la valeur et une estime envers lui-même à travers tout ce que ses faux pères lui ont dit. Naruto est la seule personne en qui Kawaki a réussi à faire confiance. Et ça, c'est la force de Naruto, en fait. Naruto, à travers son histoire depuis son enfance, c'est quelqu'un qui réussit, par l'épreuve, par le sacrifice, de montrer qu'il est vraiment une épaule pour toi, mais pas parce qu'il est gentil, parce qu'en fait, il te comprend. Et ce qui est bien, je vous l'ai toujours dit dans Naruto, Boruto et tout, c'est qu'on a à 99%, dans ce qu'on nomme les méchants, une volonté propre qui ne vient pas de nulle part. Très souvent, tout commence d'un mal-être. Et Naruto, il est un petit peu le pansement de ce mal-être, de cette blessure, et plus t'as un Naruto en face de toi, plus tu cicatrises ce que t'avais du mal à cicatriser. Kawaki, depuis son enfance, on lui répète que c'est une coquille vide, qu'il n'a plus d'intérieur. On veut lui retirer sa valeur depuis son enfance. Et lui-même, en ayant grandi, n'arrive pas à la trouver. Naruto est celui qui vient lui offrir, qui vient la faire jaillir et qui vient renaître en lui. Et l'un des meilleurs exemples qu'on a en concret, c'est le bras de Kawaki qui a été à la base perdu quand il s'est sacrifié pour protéger Naruto et Imawari, mais à la base, Naruto était en train de combattre pour protéger Kawaki. Et quand l'organisation Kara elle a été au courant que Kawaki s'était sacrifié presque pour Naruto, même eux, ils ont été choqués. Après ça, Kawaki, donc, à qui on ne pouvait pas remplacer le bras parce que le faux bras qu'on avait mis à Naruto fonctionnait uniquement grâce à son chakra, Naruto a décidé de mettre un faux bras pour lui à la base, pour Kawaki, et que celui-ci se recharge à travers le chakra de Naruto. Encore un lien très très fort entre les deux, qui vient montrer involontairement, en plus de la part de Naruto. Naruto vient pas faire tout ça pour que Kawaki ait confiance en lui. Au contraire, Naruto fait ce qu'il est. Naruto fait du Naruto, avec ceux qu'il aime et ceux qu'il veut protéger. Il aurait pu faire ça avec quelqu'un d'autre. Il aurait pu faire ça avec Sarada, Mitsuki et les autres. Mais quelle est la meilleure preuve que de montrer à Kawaki que tu fais partie des miens, tout simplement. Tu es dans ma maison, dans mon village, et je te donne de mon chakra pour que tu puisses avoir ton bras. Naruto, c'est dans le concret qu'il montre les choses. Et là, on en arrive à un Jigen qui a pris Naruto dans une nouvelle dimension. Et là, imaginez maintenant l'état d'esprit de Kawaki. C'est pour ça que là, il va falloir bien comprendre ces réactions qui sont parfois disproportionnées pour certains. Kawaki, là, sur le coup, il se retrouve face à le premier père qu'il a enfin eu, celui qui lui donne de l'amour, celui qui l'a fait renaître, presque aujourd'hui une raison, il a retrouvé presque une raison de vivre aujourd'hui et se retrouve en tant qu'humain. Il était prêt à accepter de revenir et de se resacrifier pour Jigen pour empêcher que Naruto
et tout ce qui pouvait entourer le village meurt avant la technique de Jigen. Mais c'est là que Naruto et Jigen se retrouvent désormais dans une nouvelle dimension. Ce qui allait se passer dans cette dimension, c'est que Jigen, il allait laisser Naruto tout seul dans la dimension et repartir. Et là, certains qui ont vu l'épisode vont se dire « Ouais, mais bon, au final, la finalité est la même. » Mais j'ai envie de dire « Non, la finalité n'est pas la même. » Quand on voit l'état dans lequel se retrouve Jigen à la fin, ça retarde beaucoup de choses qui auraient été une catastrophe si ça n'avait pas eu lieu. L'arrivée de Sasuke aussi dans cette dimension sauve clairement tout. La présence de Sasuke à l'aide de son Rinnegan sauve clairement tout aussi pour l'instant, parce que celui-ci peut faire des va-et-vient. Au passage, Sasuke a appris que Jigen était Otsutsuki, c'est ce qu'on apprend dans cet épisode. J'ai envie de dire, on l'apprend dans l'épisode d'avant, ou je sais plus, c'était celui d'avant. Parce que dans la dimension dans laquelle a été Sasuke, on apprend que donc les Otsutsuki venaient par deux et tout. Et il y avait un élément qui nous montrait Kaguya, mais c'est vrai que Kaguya, on n'a jamais vu celui avec qui elle était venue. Et là, on voit un Otsutsuki avec une seule corne et tout, qui est le Otsutsuki qu'on voit dans cet épisode qui. Et la forme, je veux pas dire transformée de Jigen, parce qu'on apprend à la fin de cet épisode-là que Jigen n'est en fait qu'un réceptacle, et qu'on nomme Kawaki le réceptacle. Pourquoi dans cet épisode-là, on a à la fin Jigen qui dit lui-même « Jigen a atteint ses limites ». Après, quand il a eu sa fissure, « J'ai vraiment besoin de Kawaki, ce réceptacle est bon à jeter ». Là, on comprend un petit peu le truc. On en avait eu l'exemple avec Orochimaru, rappelez-vous, quand à l'époque, lui-même aussi se renouvelait à travers des nouveaux corps. Et là, il y a une forme de possession du Otsutsuki, que peut être Jigen. Donc, je ne sais pas si on a donné son nom ou pas dans l'épisode, je ne me rappelle plus très bien. Donc, j'ai pas envie de spoiler le nom, s'il a été donné ou pas. Je crois qu'il a été donné, mais bon, bref, c'est pas important. Mais là, on comprend de plus en plus qu'est-ce que le Kama. Quand vous apprenez que Kawaki explique que c'est Jigen qui lui a mis le Kama, quand on sait ce que maintenant Jigen veut du réceptacle Kawaki, quand on sait que Boruto a le Kama, faites les liens, essayez de comprendre, on aura très très vite les réponses concrètes. Bon, cet épisode nous marque par le combat qu'il y a eu entre Sasuke et Naruto d'un côté contre Jigen de l'autre. Ça fait plaisir de revoir Sasuke et Naruto se battre avec un plein potentiel. Même si ce combat-là vient aussi nous expliquer quelque chose. La surpuissance de Naruto et de Sasuke n'est plus aussi... Si, elle est autant destructrice, mais elle n'est plus la puissance qui fait la différence. Quand tu vois les deux formes surboostées en mode Megazord du Kyuubi et du Susanoo, forme complète en plus, et tu vois Jigen qui, après avoir libéré sa corne, donc sa forme un peu au Otsutsuki, n'a plus été en difficulté. Hein. J'estime qu'il n'a plus été en difficulté du tout après avoir évolué après avoir trouvé sa forme évoluée, là, sa forme presque normale, j'ai envie de dire. Là, il a réussi à passer dans le Susanoo, taper, esquiver. Et sa technique secrète, elle est importante à savoir, c'est qu'il réduit la matière. On se posait la question pendant le combat, tu vois d'un coup du matériel, hein, des genres de gros clous là, que Pain a utilisé, tu vois ces trucs-là apparaître de nulle part, et en fait, il réduit la matière pour la faire revenir à sa forme initiale. Donc, c'est comme si je te jetais des mini particules, tu ressens rien, donc elles se mettent en toi, et dès que je claque des doigts, bam, tout redevient à sa forme normale, donc ça te plante et tout. Donc, sa technique, elle est intéressante, il peut faire grandir, diminuer, je sais pas s'il peut faire grandir ou revenir à sa forme initiale, le truc. Bon, le combat est beau, ça fait plaisir de revoir dans Boruto des beaux combats à ce niveau-là, revoir du Naruto, du Sasuke, c'est le côté nostalgique et tout. Mais comme je viens de vous le dire, on se rend compte, et très rapidement, que le potentiel maximum d'un Sasuke et d'un Naruto, maintenant, face aux ennemis actuels et ceux qui arrivent, il va falloir autre chose. Il va falloir plus que tout ça. Et c'est normal. C'est normal parce que déjà, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération que tu vas devoir faire grandir. Ce qui serait intéressant, c'est pas de faire grandir que Boruto ou Kawaki, c'est aussi tout ce qui les entoure. Sinon, ce serait un petit peu, pour vous faire comprendre ce que je veux dire, comme si à l'époque de Naruto, on voyait simplement les Hokage, simplement les adultes faire la différence. Alors que non, on voyait d'abord, dans une moindre mesure, Naruto, Sasuke, etc., qui étaient envoyés face à parfois des ennemis, même tu te demandes aujourd'hui pourquoi c'est les petits qui étaient envoyés, et c'est quand tu les vois dans Shippuden, etc., voilà, qu'ils font la différence. Mais
Aujourd'hui, il va falloir intégrer Boruto, Kawaki et peut-être les autres afin d'être ceux qui vont commencer à éliminer les menaces. Ça aurait pas de sens de faire Boruto si c'est toujours Naruto et Sasuke qui sont en tête. C'est pour ça que là, le premier combat, il apparaît avec Naruto Sasuke. J'ai envie de dire, c'est une mise en bouche face à Jigen pour mettre en avant Jigen aussi, pour montrer, ouais purée, donc le stade le plus haut qu'on connaît, Naruto Sasuke actuellement, les techniques Megazord les plus évoluées, tac, il te les détruit le mec. Alors heureusement que derrière il a une forme de corps qui ne gère pas encore cette puissance là, et qu'il va falloir vite récupérer, donc comme il le dit lui-même, Kawaki. Donc il y aura une sorte maintenant de course-poursuite pour ne pas donner le plein potentiel à Jigen, parce que celui-ci, on l'a vu contre Naruto et Sasuke, qu'est-ce qui va se passer par la suite et de quelle manière ça va se dérouler. Ce qui se passe à la fin, et c'était très beau, c'est Naruto qui dit à Sasuke qu'il faut qu'il s'en aille, parce que ça, ils étaient tous les deux plantés et tout, ça allait être mort. Et donc t'as un Sasuke qui s'en va de la dimension en laissant Naruto. Il a pas le choix, c'était soit tous les deux ils meurent et tout. J'ai beaucoup aimé l'échange qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et ce moment-là, qui nous laisse Naruto enfermé dans la dimension et dans une forme de petit bol d'une capsule étrange, vient à mettre le doute chez tout le monde de se dire, est-ce que Naruto va survivre ou non? Est-ce qu'on n'est pas dans les prémices d'une petite fin de Naruto, pour le moment à travers un éloignement, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on nous prépare pas à la mort de Naruto? Et un autre truc, à la fin de l'épisode, et le truc il est assez choquant, c'est donc, pour bien comprendre, le bras que possède Kawaki maintenant est relié à Naruto. Si Naruto dort, donc celui-ci ne fonctionne plus, si Naruto n'a plus de chakra, celui-ci bah, ne fonctionne plus, donc en gros si Naruto meurt, Naruto est dans le coma, Naruto dort, ça... Et à la fin de l'épisode, quand Kawaki est impuissant dans la maison de Naruto, en train de regarder sa photo, son bras, boum, se met à tomber. Et là tu te dis, waouh, alors, les options, Naruto est en train de faire dodo. Vu la situation et le timing, je pense pas qu'en 2 secondes il s'est endormi dans un tel contexte. Soit il a trouvé le coma, au vu de l'état dans lequel il était, c'est ce qui est le plus proche, soit Naruto est mort. Donc, on verra tout ça dans les prochains épisodes. J'espère que cette review vous aura plu. Il y aura une vidéo sur l'enfance de Kawaki. Et j'ai envie de vous dire, bah, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 1 million Meloubars.